it is Joshua, the geocaching vlogger, and you're watching Geocaching with Lempe. Ok les abonnés, j'espère que vous allez bien. Regardez derrière moi tous ces géocacheurs. Il y a énormément de vlogueurs, il y a énormément de podcasteurs, il y a vraiment tout le monde. On est plus de 5000 sur la zone, 5000 géocacheurs. Donc c'est vraiment incroyable, il y a beaucoup de monde. C'est un peu le supermarché des géocacheurs. Et là on s'en va pour découvrir la plus vieille cache de l'Ohio. Donc il y a beaucoup de monde. Comme je vous dis, on a l'impression qu'on est un peu au Disneyland du géocaching. 5000 géocacheurs sur une zone assez réduite, c'est impressionnant. Et donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a fait un event secret où il n'y avait que des géocacheurs, que des vlogueurs, pardon, et on a pu enfin tous se rencontrer. Et oui, parce qu'il y a des marches, et on me prévient quand même de ne pas tomber, parce qu'on est en forêt. Et on a pu tous se rencontrer, c'était juste formidable. Et on a pu rencontrer Joshua, Katie, Pathfinder 33, vraiment tout le monde, c'est incroyable. Et il y a une ambiance de folie. Vraiment, je vous mets quelques petits extraits en passant à gauche, à droite, et vous verrez qu'on a fait pas mal d'inclusions. J'ai tourné pour Katie, Katie a tourné pour moi, etc. On a tous tourné des intros pour les uns et pour les autres, et également en fait des petits films. Donc on va se voir un peu tout le monde partout dans chacun de nos films, ça va être incroyable, vous allez nous voir à peu près partout. On va être sur tous les réseaux, voilà. Et bien écoutez, on va avancer un petit peu, parce que j'ai chaud, alors je vais poser la caméra et respirez un peu, ça le temps pour les gros. Voilà la vue qu'on a arrivé au but. Donc comme vous voyez, nous avons ici en face le Kentucky, devant nous avons l'Ohio River, nous sommes ici sur l'Ohio, et là juste devant, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite rivière, c'est le Miami River. Et cette rivière en fait est la séparation avec l'Indiana. Donc nous sommes devant trois états, nous sommes sur l'Ohio, nous voyons le Kentucky et nous avons l'Indiana. Voilà, la vue vaut franchement le détour. Vous voyez derrière moi, les gens sont en train de partir pour aller faire la plus vieille cache du monde, donc on va du monde de l'Ohio, on va les suivre tout de suite. Vous allez voir à quoi ressemble un vrai géotrail, genre quand 600 géocacheurs passent avant vous, je vais vous montrer ça. Ça, c'est un géotrail, là, on peut pas se tromper, et si vous regardez bien, il y a énormément de monde en face. Et nous arrivons, pas très loin, de la cache la plus vieille de l'Ohio. Je sais pas si vous voyez, on a du beau monde. On voit Craig de See My Share, Pathfinder 33. Qui c'est qu'on voit d'autre? Ben c'est que des vlogueurs. Eat, Sleep, Cache and Repeat. Ah bon, voilà, que du beau monde. Il y a beaucoup de bruit, donc je vais essayer de me faire entendre. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc nous avons quelqu'un là-haut qui est un peu le monkey de la scène. Nous avons tous les gens qui sont en train de loguer la cache la plus ancienne. Et nous avons tous les autres qui attendent leur tour. Voilà, voilà. Alors, vous le reconnaissez ici, nous avons la team. Donc, team qui fabrique des caches techniques. Vous l'avez déjà vu sur YouTube. C'est quelqu'un d'incroyable. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un d'incroyable pour la création de caches, etc. Il a inspiré plus de milliers de géocacheurs. Et c'est ma chaîne. Les amis, c'est la plus vieille cache de l'Ohio. Elle est là. Elle est juste sous nos yeux. La plus vieille cache de l'Ohio. Alors, il s'agit, en fait, ni plus ni moins que d'une âme au cave, avec pas mal de choses. Comme vous voyez, il y a énormément de choses, de boîtes, de choses comme ça. Et bien sûr, un logbook, etc. Moi, j'ai posé quelques petites cartes de visite et des geocoins. Je vous demande.